Madame le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, le pot de terre en souffre, il n'eut pas fait 100 pas que par son compagnon il fut mis en éclat. Sans qu'il eût lieu de se plaindre, ne nous associons qu'avec que nos égaux, ou bien il nous faudra craindre le destin d'un de ces pauvres. Vous aurez bien sûr reconnu les vers de Jean de La Fontaine, ce monument de la littérature française, et sa fable « Le pot de terre contre et le pot de fer ». Or, le traité transatlantique en cours de négociation est exactement la même chose que l'offre de la fable, à la différence que dans la fable « Le pot de fer » ne voulait aucun mal au pot de terre. On peut douter que ce soit le cas des États-Unis vis-à-vis de l'Europe. Je ne vais pas m'étendre sur les conditions de travail hallucinantes imposées par les États-Unis, qui soulignent dès le départ le profond déséquilibre des parties dans ce traité, mais qui soulignent que l'on est bien loin de la transparence nécessaire à l'exercice démocratique dont Bruxelles, pardon, nous bassine les oreilles. Les négociations autour de ces traités sont l'illustration la plus parfaite de ce que les Français rejettent dans votre construction européenne, rejet qu'ils ont, rappelons-le, clairement exprimé lors des dernières élections européennes, mais pas seulement. Mais finalement, ce projet de traité est révélateur de la vision dogmatique de l'Europe que la caste dirigeante veut imposer au peuple des nations européennes. Projet qui gomme les identités nationales pour faire de l'Europe un agglomérat de peuples et faire du vieux continent une malheureuse zone économique dans une mondialisation uniforme. Et ce traité en est en quelque sorte l'effet majeur, c'est-à-dire l'action qui permettra à l'objectif d'être atteint ou pas. Ce traité va, nous en sommes absolument persuadés, assurer la domination des Américains sur l'Europe, la domination des entreprises américaines sur les entreprises françaises et européennes, la domination des juridictions d'arbitrage sur les juridictions françaises et européennes, comme diraient certains jeunes spéciales dédicaces à M. Tapie et à Mme Lagarde, en clair une soumission totale à l'oncle Sam et à ses multinationales. En effet, une disposition du traité prévoit que si un État modifie dans l'avenir ses normes, il pourra être attaqué par les multinationales auprès d'une justice privée. Et si l'État est condamné, il devra rembourser la perte d'opportunité, la perte de profit actuel ou futur. Ces normes peuvent être sociales, techniques, environnementales, sanitaires, alimentaires. Ce traité, c'est finalement le tressage que la corde que nous utiliserons pour nous pendre. Vladimir Ilitch nous l'avait prédit. Arrêtons de nous voiler la face. Ce traité est une nouvelle application du sacro-saint dogme de la libre concurrence. Or, c'est toujours la loi du plus fort qui s'impose en matière de commerce. Et nos entreprises, et spécialement nos PME et ETI, notre agriculture, notre santé, notre culture, déjà fragilisées par l'absence de protection de leur activité, vont être livrées à une féroce concurrence. Concurrence de surcroît déloyale, car les États-Unis n'abandonneront, eux, jamais leur politique protectionniste et patriotique pour les beaux yeux de l'Union européenne et encore moins pour les vôtres. En outre, bon nombre de spécialistes prédisent que le traité transatlantique n'apportera ni croissance ni création d'emplois, contrairement à ce que nous avons entendu précédemment. Nous, nous croyons à un autre modèle de développement que celui de la mondialisation soumise à la finance et du nivellement par le bas des modèles sociaux qu'elle entraîne. Or, ce traité, c'est finalement la mise en application du principe cher à Don Salluste, les pauvres, c'est fait pour être très pauvres, et les riches, très riches. Je vous laisse imaginer dans quel camp se retrouve une très grande majorité de nos compatriotes. Avant de conclure, je souhaite vous faire part de mon étonnement sur le silence assourdissant des syndicats français sur ce sujet, mais ils préfèrent manifestement faire bloc contre le Front National plutôt que défendre les salariés français et notre modèle social, cher à nos concitoyens. Pas étonnant qu'ils n'attirent plus grand monde. Ils n'attirent pas plus de monde d'ailleurs que vous, les communistes, qui faites moins de 2% aux élections. Enfin, comme nous croyons également à la démocratie, et j'en termine cette fois-ci vraiment, nous vous demandons, Madame le ministre, d'exiger que la ratification de ce traité se fasse par référendum, mais peut-être avez-vous peur que le peuple de France donne à l'Union européenne la même réponse qu'il y a 10 ans, et à titre personnel, je m'en féliciterai. Merci.